We've got gun. both left front. Right. Dixie left, he left. Mercedes, wide tip, Ricky. Bieber left, 75, Katie, Omaha. We good? Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donny Avery. Go ahead, go Touchdown, 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 touchdown. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour l'épisode numéro 475 du podcast Touchdown Actuel. Mathélie, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle preview, mais pas de saison régulière, puisque cette fois on parle playoff avec Lucas. Voilà, bonjour Lucas. Salut Alain, salut tout le monde. Motivé, chaud Lucas, on n'a plus que six matchs après à, à présenter cette semaine. Oui, c'est toujours le problème. Hein. Quand les playoffs arrivent, on a moins de matchs, mais en même temps, les matchs sont plus importants. Donc, euh, on, a, on a un sentiment partagé à chaque fois. Ouais. Est-ce qu'on avait vraiment six bons matchs la semaine dernière Ah, six, euh, je ne suis pas sûr qu'on arrive à ce total. Ouais, ouais tu vois, je suis même pas sûr. Donc, en fait, on ne perd pas tant de choses que ça. Euh, Lucas, donc, on est ensemble pour parler playoffs, preview, preview et encore preview. C'est dans cette émission. C'est maintenant. C'est incroyable. C'est parti. Les playoffs sont donc lancés, on va faire par conférence, match par match et vous donner évidemment le programme à chaque fois Tampa Bay Buccaneers Philadelphia Eagles Tampa étape de série numéro 2 et Philadelphia numéro 7 ça sera dimanche à 19h on ne les fait pas dans l'ordre mais on les fait par conférence hein, je vous le redis euh, donc dimanche 19h pour ce Buccaneers Eagles honneur aux champions en titre deux équipes qui se sont affrontées le 15 octobre euh, victoire 28-22 de Tampa mais ce n'était pas vraiment la, la même ambiance à l'époque Jalen Hurts n'avait même pas complété la moitié de ses passes ils avaient été bien stoppés au sol et Antonio Brown était là, meilleur receveur de, de, des Buccaneers sur ce match. Euh, je l'ai dit un petit peu, le jeu au sol, Lucas, Philadelphie, qui a un gros jeu au sol, qui s'est affirmé au fur et à mesure euh, de ses playoffs, qui se retrouve peut-être avec le pire match-up, alors sur le papier, c'est-à-dire que les Buccaniers sont troisième défense contre la course, mais il y a un mais, ils sont moins forts depuis quelques temps. Oui, ils sont un petit peu moins forts. Alors je, je suis assez d'accord pour dire que c'est peut-être le pire match-up pour eux, mais, mais peut-être pas dans ce secteur-là, dans le sens où pour moi c'est plus une clé. Que, que quelque chose qui est défavorable pour les Eagles, dans le sens où, en effet, ça fait deux semaines qu'ils posent un petit peu question dans ce secteur-là pour les Buccaneers. Euh, on l'a dit mardi, euh, ils ont pris pas mal de yards face aux Panthers, qui ne sont pas une équipe euh, réputée dans ce secteur-là. Ils ont pris beaucoup de yards face aux Jets la semaine d'avant, qui est encore moins une équipe réputée dans ce secteur-là. Et là, ils, a, ils abordent une, une, un match-up avec une équipe qui, pour le coup, est réputée euh, pour être très bonne face à la course. Donc, on va vite savoir pour les Buccaneers. Maintenant, voilà, ça fait deux ans, tu le disais, ils ont, ils, ont une très bonne, ils ont une très bonne défense face à la course toute l'année, quasiment. L'année dernière aussi. C'est aussi pour ça qu'ils ont réussi à gagner ce titre-là. Donc, est-ce qu'ils vont se rattraper ou en tout cas revenir, euh, revenir euh, à, à leur standard sur ce wildcard weekend? On va le voir, mais en tout cas, c'est une clé, ouais. Ouais, C'est clairement euh, un des, un des match-ups les plus importants. Parce que s'ils se retrouvent bloqués, euh, Jalen Hurts doit essayer de suivre Tom Brady, et ce qui n'est pas forcément euh, évident, même avec le manque de cibles dont on va parler. Euh, les, les Eagles sont peut-être aussi un autre avantage. J'ai l'impression sur les Defensive Back de Tampa, on dit depuis quelques semaines que euh, les Defensive Back de Tampa ne sont pas forcément les plus rapides et les plus, euh, euh, et les plus fluides de, de, de la ligue. Face à Devonta Smith, alors ils n'ont pas des stats monstrueuses, hein, Devonta Smith et Dallas Goddard, mais il peut y avoir un petit coup à jouer quand même pour le rookie. Oui, 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 il peut y avoir un petit coup à jouer. En tout cas, on va on va l'attendre. Clairement, euh, c'est un rookie, il fait une très bonne saison, certes, mais, euh, mais on va l'attendre dans les grands moments. Ce sont le, le, le genre de joueurs qu'on veut voir faire des, des décisions euh, dans des, des très grands moments, dans des moments pour faire qualifier son équipe en playoff. Il l'a fait quasiment euh, en fin de saison. Maintenant, on va, on va l'attendre face, de, de, face à des grandes équipes dans les playoffs. Après, c'est vrai que les défensifs backs des Buccaneers sont un petit peu plus en, en difficulté, mais je trouve que notamment par rapport à l'année dernière, la grosse différence, c'est le pass rush. Mm -hmm. euh, et, et quand ce pass rush-là des Buccaneers est bon, ça permet aux defensive backs d'être un petit peu moins sous pression, d'être un peu plus agressifs. Et c'est dans ce, 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 ce schéma-là qu'ils sont très bons. Ouais, après il y a des blessures quand même. Tu vois, chaque barrette non, chaque barrette sort de Covid. Je me mélange. Au alors COVID normalement, normalement chaque barrette devrait revenir, sortir de Covid mmh. en effet. lavant David devrait revenir aussi. Jamal Dean pourrait revenir aussi. Il y a beaucoup. Jason Pierre-Paul devrait revenir. Il y a beaucoup de joueurs euh, qui devraient revenir euh, dimanche. Euh, alors pour l'instant tout n'est pas sûr, mais ils ont beaucoup de joueurs. Giovanni Bernard, Leonard Fournette aussi. Euh, ça c'est plutôt du côté de l'attaque. Mais mmh. y a, voilà il y a tous ces joueurs là qui devraient normalement revenir soit sortir de Covid comme tu disais. Soit sortir des, des blessés On attend de voir dimanche On sait que c'est toujours Un petit peu incertain Mais normalement euh, ne devrait retrouver Pas mal de joueurs Ouais, ouais donc euh, C'est pas mal Mais Ils reviennent aussi de blessures Tu vois Ils sont pas sur une bonne série euh, Forcément Ils sont pas hyper chauds Comme l'an dernier On en revient souvent à ça euh, Je trouve que c'est 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 vraiment une, une variable quand même à prendre en compte, je trouve, cet état de forme des Buccaneers qui ne sont pas à leur pic au meilleur moment comme l'an dernier. Après, encore une fois, hein, ils, restent, ils restent assez favoris, ils ont l'expérience. Hurts n'a jamais joué les playoffs, devant Tasmis, on en parlait aussi. Donc, bon, a priori, là-dessus, ils ont l'avantage. Après, l'autre clé pour battre Tom Brady depuis euh, quoi 15 ans, c'est de lui mettre la pression. Euh, la mauvaise nouvelle pour les Eagles, c'est qu'ils n'ont réussi que 29 sacs cette saison. Ils sont avant dernier total de la Ligue. Est-ce que c'est rédhibitoire, tout simplement oui, oui. tu as commencé en disant que c'est peut-être le pire match-up pour les, les Eagles et en parlant surtout de la défense au sol. Et, et je suis d'accord avec toi, pour moi c'est le pire match-up. Et pas forcément pour la défense au sol, parce qu'on l'a dit, on, on va le voir, mais pour ce genre de choses-là. Euh, et tu as évoqué deux points euh, essentiels pour moi. L'expérience, euh, les Eagles sont là. Euh, on va le dire, ils font pas une saison incroyable, ils font une saison euh, bonne. On, on dit, euh, qualifié l'a dit, qualifiés avec le septième seed, euh, ce qui qualifie souvent des équipes moyennes pour prendre de l'expérience. Ils ont peu d'expérience, donc euh, ils vont être là pour, pour en prendre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, euh, c'est comme tu le disais, Brady, il faut le toucher, il faut lui mettre la pression. Et même si on ne le sacque pas, parce que c'est difficile, il faut lui faire penser qu'on peut le saquer à tous les snaps. Et on l'a vu, ce que les Saints sont capables de faire. Et à chaque fois qu'ils jouent contre lui, sauf en playoff, manifestement, mais ils l'ont fait deux fois cette saison et deux fois, ça a fonctionné. Est-ce que les Eagles sont capables de le faire Je ne suis pas sûr, notamment parce que tu l'as dit, ce n'est pas forcément une équipe qui a un pass rush incroyable. Et, et qui dit euh, Pass Rush, pas forcément euh, hyper, euh, hyper comment dit, produ productif, pardon, euh, dit aussi euh, Defensive Back, pas forcément euh, à leur avantage. Ils n'ont que 12 interceptions cette saison. Euh, là aussi, il y a un gros, une grosse différence. Plus 10 pour Tampa sur les, les turnovers cette saison. Zéro pour Philippe Différentiel cette année. Ils perdent autant de ballons qu'ils n'en gagnent. Euh, donc là aussi, il y a encore un avantage Buccaneers On a commencé par les Eagles parce qu'on bah, commence un petit peu par le petit poussé aussi. On cherche les, les failles. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça, en fait. Oui, oui c'est difficile. En fait, euh, et je peux le dire parce que bah, vous, vous, vous en profitez certainement sur le site. On prépare les, les previews de, de, de chaque équipe, les, de, de playoffs. Euh, et, et je suis sur celle des Buccaneers. Et en fait, la, la différence, c'est vrai qu'avec l'année dernière, c'est que l'année dernière, les Buccaneers montaient en puissance. On les mmh. a sentis partir un peu doucement et monter. Cette année, on sent que c'est plutôt des montagnes russes. on doit faire une courbe, c'est un petit peu un peu en haut, un peu en bas. Et là, on, on, ça, on, on attend de voir. Et on attend de voir. Et je pense que ce match de dimanche, à mon avis, devrait être une victoire pour les Buccaneers. Mais en effet, ça va être un test pour voir comment les Buccaneers sont, comme tu dis, parce que globalement, il y a peu de, de, de défauts, on va dire, si ce n'est quelques absences en attaque qui peuvent être importantes, certes, il y a peu de défauts. Mais comment tout cela va se mettre en place avec les blessures qui reviennent, avec euh, cette, cette peut-être lassitude. On sait que Brady n'est pas forcément sujet à, à la lassitude, mais euh, est-ce que les autres le sont Voilà, ça, on va le voir. Mais c'est vrai que quand on analyse comme ça assez froidement on a du mal à trouver de, 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 des défauts vraiment très, très marquants, des grosses, des grosses alertes rouges. Pronostic. Je vais dire les Buccaneers, avec tout ce qu'on a dit, c'est difficile de, de miser contre le champion titre, qui plus est, qui possède Brady dans son équipe. Les Buccaneers, à l'unanimité dans la rédaction, je peux vous le dire. Euh, Cowboys, tête de scène numéro 3, Niners numéro 6, ce sera dimanche à 22h30. Euh, ambiance 90s, rivalité NFC, les, les Cowboys sont statistiquement la meilleure attaque de la ligue, premier sur les points, premier sur les yards. Et ce qu'on réalise moins, c'est qu'ils ils sont aussi devant les Niners en défense. Ils ont pris moins de points que les 49ers cette année. Alors ça ne se voit pas grand-chose, hein. 21,1 pour Dallas, 21,5 pour San Francisco. Mais du coup, sur le papier, les Cowboys, ils sont plutôt favoris. Oui, sur le papier, bien sûr. Il y a le, il y a le, le, le seeding qui fait que déjà, ils sont, ils sont devant, ils ont gagné leur division. Euh, les 49ers sont qualifiés au, au dernier moment, à la dernière action. Euh, ils sont à domicile, Dallas difficile de ne pas les voir favoris. Maintenant, je comprends ta question, c'est qu'il y, y, y a beaucoup de choses qui, pour, qui peuvent faire dire, est-ce que le, la surprise de ces playoffs, elle n'est pas là Alors oui et non, c'est-à-dire en fait, moi je suis toujours étonné, euh, sans aller jusqu'à la surprise, mais je suis toujours étonné euh, du recul qu'on a sur Dallas, alors qu'en fait statistiquement, si tu vois, on fait un, un CV à l'aveugle et qu'on disait, bon bah voilà, tu as une équipe qui prend 20 points, 21 points par match, qui est première attaque sur les points, sur les yards. Tu vois, on en parlerait plutôt avec engouement. On dirait c'est un de ses favoris des playoffs. Euh, ils sont quand même en forme. Enfin, ils, ils peuvent quand même faire plein de choses, etc., etc. Donc pourquoi on a ce petit, cette petite retenue en fait sur les Cowboys Pourquoi on n'en parle pas comme on parlerait euh, des, des Packers, des, Fortine, euh, des Packers, des Buccaneers et presque même des Rams J'ai l'impression même qu'on qu est moins chaud dessus que les Rams. Et, et je spoil, mais pourquoi il y a la moitié de la rédaction qui pronostique contre eux Je donnerai les noms plus tard, mais euh... Bah, je, je pense qu'il y a une question de dynamique, une question mmh. de dynamique d'impression de, de, visuelle. Dallas ça commence très fort. Et du coup, ça, ça, ça a mis des standards très hauts pour eux. Et en fait, un petit peu comme chaque année, euh, depuis que Dac Prescott est là, que le coordinateur offensif est là, ça a été un petit peu moins bien. Euh, ça a un petit peu descendu. Maintenant, euh, ils avaient déjà fait assez en début de saison. Ils ont continué à maintenir quand même un, un niveau assez correct pour avoir les statistiques dont tu parles. Mais on, on parle maintenant de playoffs sur un match. Est-ce qu'on voit cette équipe sur un match être capable de sortir son meilleur football euh, à ce moment-là Et c'est vrai que Dallas parfois pose question dans le sens où est-ce qu'ils vont être capables. On ne sait pas vraiment depuis quelques semaines quel Dallas on va voir et notamment quel Dak Prescott et notamment quelle attaque on va voir en fait. Mm -hmm il ben, y a ça je, je suis assez d'accord hein. je posais c'était un peu une question rhétorique mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas battu une grosse équipe je pense que c'est aussi simple que ça il euh, y a cette défaite en plus qui avait fait très tâche contre les, Cowboys, les Broncos pardon, euh, où, où ils ne s'étaient pas montrés et puis, euh, et puis ouais, tu, tu l'as dit leur dernière victoire c'est les Eagles dans un match qui compte pour du beurre Washington les Giants Washington les Saints qui étaient quand même très handicapés ils perdent contre les Raiders ils perdent contre les Chiefs ils perdent contre les Broncos donc oui en effet il y, y a cette dynamique après je trouve quand même que l'opposition leur est favorable euh, face au cornerback des Niners, notamment 9 interceptions seulement pour, pour San Francisco en saison régulière, euh, avec en face uh, Sid Gillemb, uh, Amari Cooper, uh, Gallup, etc. Il euh, y a un match-up super favorable quand même pour l'attaque de Dallas. Alors je, je crois que Gallup est blessé. Je oui, pas pardon. Soit... Mais Cédric Wilson fait un, fait, a, a bien pris le relais euh, depuis, depuis quelques semaines. Donc, c'est vrai que c'est difficile de ne pas avoir galope, mais Cédric Wilson fait, fait des bons matchs. Oui, oui, ça peut être, ça peut être favorable. En fait, j'ai l'impression, et, et, et je le dis parce que je dois être parmi ceux qui, ceux qui ont, ont pronostiqué les, les 49ers, j'ai l'impression qu'on on imagine euh, San Francisco être capable de, de salir ce match, de ralentir le rythme ouais. euh, comme, comme ils peuvent le faire, de, 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 de salir un petit peu comme ils l'ont fait. En deuxième période face, au, face aux Rams, garder leur identité, beaucoup de jeux au sol, beaucoup de, de, de passes courtes, des drives assez longs, euh, prendre l'avantage peut-être euh, rapidement dans ce match-là, et ensuite, voilà, salir, provoquer euh, des, des, des pertes de balles sur l'attaque les, sur les, sur les, offensive des, des Cowboys, et essayer d'en éviter, même si, comme tu le disais, euh, en face, il y a une équipe de Dallas qui, qui en provoque. Oui, bah ouais, et puis qui est, qui est correcte en défense. Alors, je n'ai pas la stat, je suis en train de regarder au niveau de la défense contre la course, c'est vrai que Dallas, c'est pas optimal, pardon, je suis sur la mauvaise date, euh, Dallas, oui, Dallas est milieu de tableau contre la course, je suis d'accord sur le scénario, hein. grosse pression, euh, Nick Bossa qui fait sauter la ligne offensive adverse, etc., etc. Euh, mais je sais pas, j'ai du mal à voir Jimmy Garoppolo, enfin, le plan de jeu il est assez net, donc ils vont sûrement essayer de stopper le sol du côté de Dallas, Mika Parsons pourra mettre un peu de pression, il est polyvalent, je ne suis pas sûr, en fait, que même en, en, en rendant ce match un peu difficile, San Francisco arrive à mettre ce qu'il faut de points, arrive à mettre, je ne sais pas, une... Parce qu'on est d'accord que les, les Cowboys ont quand même en mettre, je sais pas, 25. Oui, en tout cas, on, on les attend au, au moins en mettre 25 avec des joueurs, comme tu l'as dit, que, comme tu as cité, avec, avec euh, Ezekiel Elliott qui fait pas un, un mauvais match face aux Eagles, avec Tony Pollard qui devrait revenir. Donc oui, on les attend à marquer euh, mmh. au moins 20-25 euh, et ce serait un minimum dans ce qu'on imagine de cette attaque. Ouais. Et donc du coup, je ne sais pas si San Francisco peut aller en mettre 25 de l'autre côté ils en, mettent, ils en mettent 24, là c'est ça, contre... Non, ils en mettent un peu plus, du coup. Ils en, ils mettent, en mettent 27, ouais. euh, 27 puisqu'ils ils vont à 24-24 en prolongation face aux Rams. Ils en mettent 27. Euh, pourquoi pas un match assez similaire Alors peut-être pas dans la physionomie d'une première mi-temps euh, difficile, mais un match assez similaire autour des 20-25 points. Maintenant, moi, il y a aussi quelque chose... Euh, dont on n'a pas encore parlé, et, et je radote assez souvent sur Dallas, mais forcément, on, on va, on, on est obligé d'en parler. Euh, Mike McCarthy, je ne suis pas confiant euh, dans son game management, euh, dans sa gestion de fin de match, de fin de mi-temps, qui sont ouais. très importants face à un Kyle Shanahan qui on l'a vu, alors est peut-être pas toujours le, le maître en la matière, mais qui on l'a vu a été plutôt bon euh, dans ses décisions face aux Rams dans un match qui, qui était considéré comme les playoffs pour eux parce que c'était euh, gagne ou rentre à la maison comme on dit. Donc oui. dans ce duel là, déjà par exemple, euh, je vois avantage Shanahan et on sait que si le match est serré, en effet, ça peut faire défaut à Dallas. Maintenant, comme tu le dis, il faut que le match serré, soit serré, il faut que San Francisco soit capable de, de le rendre serré. C'est vrai que le problème avec Mike McCarthy, c'est qu'il faut avoir un petit matelas, on va dire. Euh, c'est ça, pour éviter de des, des, des décisions qui souvent euh, nous font lever un, un sourcil, comme on dit. Mm, mm, bon, après, ça reste un coach qui a gagné un Super Bowl. Hein. Il ne débute pas non plus dans les playoffs. Mais je, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ceci étant dit, sur le pronostic. Euh, du coup, moi, je vais me ranger dans la, 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 la team Dallas de, de la rédaction, euh, parce que, encore une fois, je trouve qu'ils ont l'avantage sur ce, sur ce match-up aérien. Euh, on n'est pas sûr que Jimmy Garoppolo puisse produire. Alors, il, il produira jusqu'à ce qu'il produise plus. Hein, ça se trouve, ils vont en passer un ou deux tours, euh, comme il y a deux ans. Mais je vais aller sur Dallas, parce que moi, je ne sais pas, le match-up aérien me plaît bien. D'un autre côté, euh, et je donnerai mon pronostic dans la foulée, mais qui est le meilleur joueur offensif dans ce match Est-ce que ce n'est pas Dibo Samuel euh, Et qui est le deuxième meilleur joueur offensif dans le match Est-ce qu'on met, on met Sidilin ou est-ce qu'on met Georges Kittel euh, crois... Moi, moi j'aurais mis Kittel avant Samuel, quand même, pour l'ensemble de son œuvre. Oui, 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 mais bon, sur la dynamique, mais en tout cas, euh, en tout cas, les, les, les joueurs offensifs, euh, certes, le, le match-up quarterback, et c'est très important, mmh. je te l'accorde, et du côté de Dallas, mais est-ce que le reste est pas du côté San Francisco Je suis d'accord avec toi sur le fait En plus ils ont le meilleur coach, et, euh, mais je reste sur Dallas quand en tout cas, oui, ça va être un beau match. Moi, je vais mettre San Francisco. Après, voilà, je, je fais un petit, euh, un petit annoncement à tout le monde, une petite annonce à tout le monde. C'est que tu vas dire les, les, les statistiques, enfin les, les résultats des pronos euh, certainement après. Je suis légèrement en retard, donc il faut, il faut aussi mettre en, en perspective mes choix de pronostics dans le fait qu'il faut que je reprenne un peu des points sur certains. Donc, euh, je vais mettre vrai. San Francisco. Pour le coup, j'y crois vraiment à celui-là, mais y a, y a, voilà, il y a certains, je n'utilise oui. pas, mais il y a certains que je. Il y a des coups que je tente. On va en parler. Bon, celui-là, en l'occurrence, c'était vraiment pas seul, hein, Victor et Raphaël. Prennent les 49ers, Grégory et Raoul prennent les Cowboys. Euh, donc on est vraiment à 3 contre 3. Rams, Cardinals, les têtes de série 4 et 5, c'est dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin. Oui, un Monday Night Football en playoff. Euh, ils se connaissent bien puisqu'ils sont dans la même division. Un partout cette saison. La, la tendance est clairement pas bonne pour les Cardinals sur la fin de l'année. Une seule victoire sur leurs 5 derniers matchs. Euh, Lucas, leur défense qui était très bonne à mi-saison. À un moment, on a dit euh, quasiment ils sont la meilleure équipe ou l'équipe la plus complète, etc. Et cette défense, elle a vraiment lâché. On parle des Cardinals. Hein, des de Cardinals, oui. Oui, oui, elle a lâché. Bah, c'est vraiment, vraiment le point noir euh, de ces dernières semaines. C'est vraiment le, la, la, le, le facteur X pour eux, parce qu'on le disait, on l'a souvent répété, c'est une équipe complète. Alors oui, il y a Kyler Murray, mais pour, ce, pour que cette équipe-là performe, il faut que tous les secteurs de jeu soient très bons et notamment la défense et notamment tous les secteurs de jeu dans cette défense et là pour le coup ils ne le sont pas, ils ne le sont plus, ouais. euh, ils le sont beaucoup moins quand ils, a, quand ils vont affronter cette équipe des de, de Rams qui certes a ses propres questions en attaque mais qui a quand même une, une force de frappe offensive assez nette, euh, c'est vrai que ça, ça, ça paraît compliqué ouais, notamment par rapport au, au match dont tu parlais et notamment cette victoire qu'ils avaient eu à Los Angeles, euh, c'est bien différent depuis ouais. Hum. Euh, les deux matchs ont produit plus de 53 points accumulés, hein, donc il devrait y avoir des points en théorie. Euh, parce que j'ai aussi envie de te demander quelle défense peut ralentir ce match, et, et forcément, là j'ai envie de regarder vers Aaron Donald et Jalen Ramsey, Yvonne Miller. Oui, 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 ce sont ces joueurs-là. Quand on pense à, à des joueurs euh, stars défensifs et quand on pense en effet à une défense capable de, de ralentir ou de, de faire des jeux très importants, il euh, y a Aaron Donald, on en parle assez souvent pour qu'on ne s'étale pas sur Aaron Donald, mais c'est vraiment, vraiment un joueur incroyable. Et puis, Jen Ramsey, c'est pareil. Euh, on a vu cette, cette interception euh, qui a fait forcément le tour des réseaux parce qu'elle est incroyable, mais il y a tout le reste. Il, est, il, il sent le jeu, il c'est quand même, est quand même un, des, un des cornerbacks les plus complets de la ligue. Euh, il, il est capable de faire, voilà, de, de faire changer euh, les, des, des cours de match à lui tout seul, et quand on sait qu'il y en a deux dans cette défense. Forcément, quand on, on doit choisir une défense, pardon, on va plutôt pencher sur celle des Rams. Oui, et puis vu ce qu'on a dit en plus hein, sur celle des, des Cardinals, qui devrait récupérer JJ Watt, après, on peut même remarquer pour les blessés des, des Buccaneers tout à l'heure, mais là, en pire, c'est qu'il revient d'une absence très très longue. Est-ce qu'il va vraiment être à son meilleur niveau à la minute où il va débarquer sur le terrain C'est quand même. Compliqué de miser là-dessus tout de suite. Ce n'est pas impossible, hein, c'est JJ Watt, il est incroyable. Mais bon, on ne va pas tout de suite dire, ça y est, il rentre, il va être incroyable. Euh, donc oui, Aaron Donald, Cliff Kingsbury disait d'ailleurs qu'il les avait vraiment détruits et qu'il avait défait le plan de jeu sur, sur le match où, où ils perdent. Il fait souvent donc, ça, ouais. Donc voilà, c est, c est, ça semble aussi être à leur avantage. Et puis en plus, euh, toujours pas de D'André Hopkins, ça aussi, euh, Cliff Kingsbury l'a confirmé. Les Rams sont plutôt solides contre la course. Donc quand Arizona n'a pas cette base-là, pour moi, ça semble compliqué, et, et en fait, ce qu'on est en train de dire en filigrane, c'est que euh, bah, Kyler Murray doit être incroyable, quoi. Ouais, il va falloir qu'il sorte le meilleur match de, de sa saison et il en a fait des très beaux, donc c'est dire. Euh, mais en effet, en effet, James Connor est sorti un petit peu blessé la semaine dernière. Je sais pas mmh. s'il si sera, je sais pas s'il si jouera, mais, euh, mais comme tu le disais, il euh, y, a, y a des choses autour de Kyler Murray qui posent question un petit peu. De André Hopkins, on le sait, son duel avec Jalen Ramsey est toujours incroyable euh, parce que notamment ils se connaissent de Houston-Jacksonville d'il y a quelques années euh, et, et là il sera pas là, donc euh, ça va permettre à HMAV de d'avoir un petit peu plus de. L'attitude dans son schéma défensif, comme tu le dis, la défense au sol euh, est plutôt bonne. qu'elle Murray va devoir tout faire, euh, tout simplement. Mm. Est-ce qu'il en est capable sur un match entier face aux Rams C'est difficile, c'est compliqué. Euh, D'autant qu'il a fait des très bons matchs, mais il a aussi, pas mal ralenti. Il a que sept touchdowns à la passe sur les sept derniers matchs. Alors qu'il ouais, l'absence de l'absence d'Opkins, à mon avis, fait beaucoup. Et c'est ça. Sur je crois que Opkins manque les cinq derniers, hein. il était là sur les deux premiers, mais. Mais ouais, ça, ça fait peu, donc là, ça commence à faire beaucoup dans notre argumentaire contre, euh, contre les Cardinals, et inutile de dire qu'au niveau du pronostic, du coup, je vais aller avec les Rams. Oui, moi aussi, un tout petit mot sur Sean McVeigh, j'en ai parlé mardi, j'étais un petit peu inquiet de son, son coaching conservateur, notamment face, face aux 49ers. Il, a, il, annonce trois, il appelle trois courses lors du dernier drive, notamment une dernière sur une troisième tentative. Je l'ai dit mardi, ça m'a posé question, parce que oui, alors là, il joue les Cardinals, mais on en parlera peut-être après. Mais cette défaite face aux 49ers, elle est assez importante pour eux. Mais en effet, là, sur ce match-là, je les vois quand même passer. La conférence AFC désormais et avec une affiche très inattendue pour commencer. Cincinnati Bengals tête de série numéro 4, les Raiders sont tête de série numéro 5, parce que oui, les Bengals et les Raiders sont en playoff. Ça se jouera samedi à 22h30. Ce sera le premier match d'ailleurs de ces playoffs officiellement. Les Raiders qui sont les miraculés de l'année, les Bengals qui sont la belle surprise, puisqu'ils ont gagné une AFC Nord ultra relevée. Euh, Vegas a gagné ses quatre derniers matchs, notamment grâce à une grosse défense. Est-ce que cette défense peut suffisamment tenir Joe Bureau, Jamar Chase, Joe Mixon, T. Higgins, ça fait beaucoup de monde. J'ai l'impression que c'est quand même une des questions vitales de ce match. Alors oui, ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde et notamment sur le backfield défensif, ils n'ont pas l'effectif le, 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 pour tenir. et En même temps, peu de gens longs. Maintenant, je, je vais penser plutôt à la ligne offensive, ligne défensive, en tout cas le match-up entre ces deux lignes-là, parce qu'on le sait, un pass rush efficace peut annihiler quelques. quelques on va dire quelques défauts dans le backfield défensif. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé, notamment face aux Chargers pour, euh, pour Las Vegas. Et dans ce match-up-là, euh, on sait que Joe Burrow est souvent saqué. Alors, il est très bon, euh, mais il est souvent saqué parce que sa ligne offensive est inconstante. Et on a vu, on en a parlé, Max Crosby est incroyable, Cléline mmh. Ferrell, Yannick Ngakwe font des, font des super saisons avec des, des pressions sur le quarterback. Donc, je me dis que c'est peut-être là que, que Las Vegas peut mettre une grosse pression et peut faire une différence. Ils vont prendre des points. Mais ils vont peut-être pouvoir ralentir. Alors, clairement, les statistiques sont pas à leur avantage. Je parlais des interceptions tout à l'heure. Le pire total de la Ligue cette année, c'est les Raiders. Hein. Six interceptions seulement. Pire total de la NFL. Euh, moins neuf sur le différentiel de ballon perdu. Alors, on l'a dit, il y a eu des passages très difficiles. Il faut mettre en perspective. La fin de saison est meilleure. Mais je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que là, le plan de jeu, c'est vraiment que le pass rush soit dans un jour de folie. Que ça provoque des erreurs, que cette, cette stade des six interceptions, euh, on en rigole euh, samedi soir parce qu'ils auront mis une pression folle, que Bureau aura fait deux, trois erreurs et puis finalement ça pourrait faire tourner le match en leur faveur. Mais, euh, mais c'est vraiment le plan idéal parce que euh, si euh, Bureau a un peu de temps pour lancer, ouf. Ah oui, alors là, c'est sûr que qui, qui va défendre sur diamarchez Et puis, tu as cité t as cité, Tilly, t as cité Tyler Boyd. Euh, c'est sûr que là, le danger peut venir de partout. On l'a vu sur ces derniers matchs. Il vient de partout euh, mm. face à Cincinnati. Et du coup, en plus, s'il faut commencer à suivre le rythme, l'attaque des Raiders, c'est limité quand même. Josh Jacobs a fait un excellent match contre les Jaguars, quasiment le match de sa vie. Euh, mais les Bengals, en plus, sont plutôt solides contre la course. Alors, il y a des trous dans les airs. Euh, ça arrive. Mais qui va les prendre C'est-à-dire qu'il y a Hunter Renfro, DeSean Jackson est porté disparu hein, depuis son premier bon match. Darren Waller revient de blessure, il n'a pas joué depuis 5 ou 6 matchs en saison régulière, puisqu'il n'a pas, pas réussi à revenir pour le match contre les Chargers. Euh, là, il, il devrait revenir, mais à quel niveau il va être Donc, même s'il y a des trous dans les airs, est-ce que vraiment les Raiders pourraient en profiter et suivre un gros match Je te dis une bêtise, mais si ça monte, je sais pas, à 25 points, ça semble compliqué de les voir suivre, quoi. Je pense que Darren Waller est important. Euh, ah oui. à l'image d'un Grokowski euh, à, à Tampa Bay, c'est un joueur euh, qui, qui pose une grosse, un, une grosse problématique aux défenses euh, dans sa capacité à faire un petit peu tout et, et à être un match-up euh, un peu cauchemardesque pour les, les coordinateurs défensifs. Et, et je pense que s'il revient, euh, alors peut-être qu'il ne sera pas à 100% comme tu le dis, mais s'il revient à un très bon niveau, il peut, il peut faire changer euh, cette, cette attaque de dimension. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde comme ça, euh, certes, Interim Pro fait une, un superbe... Une Superbe fin de saison, mais on a du mal à apporter porte, une équipe à la victoire euh, en playoff Maintenant, euh, les, les, les Raiders, ils font des matchs à chaque fois où on se dit euh, euh, bon, ils, ils doivent pas gagner ce match. C'est eux qui provoquent, enfin c'est eux qui ont qui ont des pertes de balles, ils en provoquent pas et finalement ils finissent par le gagner. Alors certes, c'est face à une opposition, les Browns, qui notamment qui sont pas toujours incroyables, mais on le voit quand, face aux Chargers, ils ont ils ont du caractère, ils ont le mental. C'est assez impalpable, en effet. Un petit peu à l'image des, des, des 49ers, toutes les statistiques penchent peut-être en faveur de Cincinnati, mais Cincinnati aussi inexpérimenté, et autant que les Raiders, hein, je veux dire, hein, je ne suis pas en train de dire que Las Vegas est beaucoup plus expérimenté que Cincinnati, mais on, on a affaire à deux équipes inexpérimentées, on ne sait pas trop comment ils réagissent dans des grands moments et dans des matchs de play donc à voir. Donc le scénario où les Raiders passent, pour, quoi pour toi, c'est qu'on a dit gros pass rush en défense, ils provoquent deux, trois erreurs. Oui, oui, et puis, un des récars, un des bons qui, en fait, un des qui évite des, alors, je vais, je vais dire quelque chose de, de je vais dire des poncifs, mais un des qui évite les erreurs, et de l'autre côté, euh, les Raiders qui, qui, qui font un pass rush, qui mettent vraiment Joe Burrow euh, en grande difficulté, euh, notamment sur les pressions, et qui a du mal à, à distribuer comme il a pu le faire. Il y a des matchs où c'est arrivé, hein. il ne faut pas non plus faire croire que Cincinnati a fait une saison où, où Joe Burrow a tout explosé. Il y a des matchs où, euh, notamment parce qu'il n'est que dans sa deuxième année, et on le comprend aisément, mais il y a des matchs où euh, il n'est il est pas passé à travers, mais il a eu beaucoup de difficultés et, et, et son équipe a perdu. Oui, euh, et je cherche, je cherche ce que je veux dire. Oui, j'allais dire, euh, ils, ils ont zéro marge d'erreur, quoi, en fait, surtout en attaque, ça va être ça. Je oui, pense. oui, oui, clairement. Clairement, parce que, bah, et puis en plus, c'est à Cincinnati. C'est à Cincinnati. Pronostic. Bah, là, on est typiquement dans le, 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 le scénario dont je parlais tout à l'heure. Je vais dire les Raiders plutôt parce que j'essaye je, je, de récupérer des points que j'en suis convaincu, même si, même si j'ai essayé de le défendre, euh, mais Las Vegas peut gagner. Après, euh, si tu veux juste éviter la dernière place, tu pas non plus à prendre plein de paris suicidaires. Tu as deux points de retard hein, sur Greg. Oui, oui, mais moi, j'aime vivre avec Panache, tu sais. D'accord. Bon, non, parce que la première place, ça va être un peu plus dur. Hein. Je... Je je donnerai les scores après. Euh, donc Bengals pour tout le monde et pour tout le monde dans la rédaction. Euh, pardon, Bengals pour moi, euh, Raiders pour toi et Bengals pour tout le monde dans la rédaction, sauf Lucas. Euh, Bills contre Patriots, tête de série numéro 3 pour les Bills et 6 pour les Patriots. Samedi à dimanche, c'est donc dans la nuit à 2h15 du matin. Rivalité de division un partout en saison régulière, oui, comme les Rams et les Cardinals tout à l'heure. Euh, les deux meilleures défenses de la ligue sur les points encaissés sur le papier. Euh, tout à l'heure j'ai parlé de festival offensif. Là pour le coup, on est plutôt dans un autre registre. Ah là on est plutôt dans un autre registre. Tu l'as dit, c'est samedi soir en prime time, c'est ça Oui. Ça va être sympa de, de, de rester éveillé sur ça, même si, même si, je pense que euh, ce match-là va être très sympa à suivre. Et alors peu spectaculaire mais très sympa à suivre dans le sens bataille tactique bataille de défense euh, c'est pas forcément je le disais le, le, à chaque fois les matchs les plus spectaculaires mais c'est souvent des matchs très intéressants euh, je suis pas forcément fan des équipes qui se retrouvent en playoff alors qu'elles sont dans la même division mais pour le coup là le scénario est tellement parfait avec une victoire partout à l'extérieur euh, que j'ai envie de revoir ce, ce, cette, cette belle entre guillemets. Sur, surtout que c'est intéressant euh, au final parce que j'ai envie de dire, c'est l'expérience quand même dans les matchs défensifs. Et pour l'expérience, elle est pour les billes du côté des joueurs Josh Allen, Stephen Diggs, finale de conf l'an dernier, etc. Et elle est quand même un peu plus du côté des coachs, du côté de New England, avec ce, ce super staff, avec Bill Belichick. Bon, après, sur le, sur le papier, euh, c'est dur quand même de ne pas dire que les Bills sont favoris. Euh, ils ont gagné le, le deuxième match de manière un peu plus convaincante et Mike Jones a quand même pas mal ralenti. Euh, pour Mike Jones, d'ailleurs, contre les Bills cette année, c'est aucun touchdown et deux interceptions. Après, il y a un match où il ne lance pas de passe, quasiment, où il n'en lance que trois. Donc, ça, ça, ça module un peu. Mais voilà, le fait est que c'est une défense très difficile pour un rookie en playoff. C'est dur de le voir flamber euh, samedi soir. Oui, 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 j'ai du mal à imaginer que, que ce soit Mac Jones qui porte son équipe sur les épaules et, et s'il le fait, ça sera encore plus impressionnant pour un rookie. Mais même si New England gagne, j'ai du mal à imaginer que ce soit grâce à Mac Jones et plutôt avec un Mac Jones qui évite les erreurs et une équipe derrière autour de lui qui est parfaite. Euh, en tout cas, ça, c'est le scénario qui, qui, Enfin, qu'on imagine si jamais New England gagne. Parce qu'en effet, en face, il y a des Bills qui, certes, en attaque, ont encore quelques questions, mais en défense, sont très solides, tu l'as dit, euh, reviennent un petit peu à ce qui a fait leur force, on va dire, il y a deux ans, euh, avec une défense incroyable. Euh, et c'est vrai que euh, c'est plutôt les favoris de, dans, dans cette rencontre. Ouais. Bah, bah, on parle de scénario depuis tout à l'heure. Euh, pour les Patriots, il faut du old school, euh, du vrai old school, c'est-à-dire course, 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 défense, défense, défense. Euh, un peu Brady première époque, quoi. Ouais. Oui, oui, c'est ça, ça. Il, faut, il faut, comme tu l'as dit, il faut que New England prenne le, le, le devant euh, rapidement. On a vu lors du deuxième match, euh, Buffalo avait aussi, euh, et c'est un petit peu paradoxal, privé l'attaque de New England de ballon. Non pas que cette attaque-là soit, soit incroyable, mais c'est surtout que ça casse le rythme. Il y a eu des, des, des drives extrêmement longs, près de 10 minutes à chaque fois. Euh, et donc, du coup, euh, derrière, quand le, le temps de jeu se réduit, comme on dit, euh, comme New England n'a pas une équipe pour aller euh, euh, gagner, gagner un drive 70 yards, 75 yards dans très peu de temps, ou en tout cas de le faire ré régulièrement, bah ça, ça complique la tâche à, aux Patriots. Donc, euh, en effet, euh, les Bills ont, ont tous, les, tous les ingrédients pour le faire. Maintenant, euh, encore une fois, j'en je ai parlé mardi, il y a ces équipes spéciales, euh, c'était un tout petit point d'interrogation, mais qui peut devenir gros face à Belichick, parce que tu l'as dit, mmh. New England doit faire le match parfait en attaque, en défense et en équipe spéciale. On sait qu'ils sont capables de le faire. Est-ce que Buffalo est capable de le faire C'est la question. En me disant euh, Brady, première époque, je réalise que ça vaudrait presque une émission complète. Tu sais, genre, combien il y a d'époques de Brady maintenant On a le, le premier cru, on a la période folle, à Randy Moss, etc. Saison presque parfaite, on a l'après-blessure. Enfin, c'est quand même un, un truc. Euh, bon, bref. Je, il y en a euh, au moins, quoi. ouais, trois, voire quatre, si on considère que les Buccaneers en sont une nouvelle, quoi. Ouais, je, je digresse, mais j'étais en train de me dire qu'en plus, on a quasiment certains auditeurs qui étaient maintenant presque pas nés, en fait, quand ils gagnent son premier Super Bowl. Ça fait 20 ans, cette, ce mois-ci, quoi. Oui. C'est un, un délire. Hein. Il a gagné son premier Super Bowl il y a 20 ans et il pourrait peut-être en gagner un maintenant. C'est quand même. T es, t es, t es tout petit en fait quand il a gagné son premier Super Bowl bah, J'avais euh, 8 ans. Euh... Oui, ouais, 9 ans. Je, je, ré, je réalise maintenant que je connais ta date et que je remplis tous les formulaires, je, je l'ai dit dans l'admission précédente. Et je, moi je me rappelle de celui-là, je l'avais regardé en direct sur une chaîne allemande parce que j'avais pas canal à l'époque. Et sur sur CanalSat, tu pouvais encore gruger. À l'époque, il y a des chaînes allemandes qui diffusaient le Super Bowl. Euh, bon, euh, fin de la digression. Euh, les Bills ont quand même moyen d'accélérer. Moi, j'ai envie de te dire aussi ça. Euh, la défense des Patriots, qui était très, très bonne, qui est très bonne statistiquement et tout ça, très bien. Mais en fait, si tu enlèves la démonstration contre les Jaguars, leur dernier match, ils prennent 33 points contre les Dolphins, 33 contre les Bills, 27 contre les Colts. Donc, ce n'est pas si solide que ça non plus sur les dernières semaines. Hein. Non, il y a quelques blessés. Euh, et surtout, pour moi, euh, la clé, euh, je l'ai écrit dans la preview, c'est Matt Judon, le, 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 le linebacker offensif qui a été recruté cette année parce qu'il fait un super début de saison. Euh, il finit d'ailleurs avec 12,5 sacs. Mais euh, pour moi, c'est lui la clé parce qu'en effet, il a un petit peu ralenti euh, dans cette fin de saison. Et c'est aussi euh, l'une des raisons pour lesquelles euh, euh, New England prend un petit peu plus de points. Euh, on sait les Patriots ont besoin d'un pass rush euh, assez… Euh, important et il apporte ça il apporte ça tout seul il apporte de la pression il apporte des sacs il libère des espaces notamment pour d'autres joueurs comme Christian Barmore qui fait lui une très bonne saison le rookie voilà il va falloir que Majudon soit bon euh, pour, que, pour que cette défense prenne un petit peu moins de points, comme tu l'as dit, et surtout aussi euh, concrétiser certains, certaines actions. Euh, on a vu depuis quelques semaines euh, des, des interceptions toutes faites qui n'ont pas été faites, et c'est rare du côté des, de New England, notamment euh, euh, McCourty ou Jesse Jackson. Il va falloir euh, cette fois-ci ne laisser passer aucune occasion. Pronostic Je vais dire Buffalo, parce que pour tout ce qu'on a dit, ils sont favorisés dans l'expérience euh, terrain. C'est le deuxième match pronostiqué à l'unanimité par toute la rédaction. Bills pour tout le monde. Chiefs, Steelers, tête de série numéro 2 pour les Chiefs. Steelers sont tête de série numéro 7. C'est dans la nuit de dimanche à lundi à 2h15 du matin. J'ai dit que les Raiders, c'était les miraculés des, des playoffs, mais les Steelers, c'est pas mal non plus. Hein. Ils ont passé qu'une seule fois à la barre des 30 points cette saison. Ils n'ont passé que 5 fois à la barre des 25 points. Donc clair, ils marquent pas beaucoup. Euh, Est-ce que c'est le chiffre magique pour les Chiefs On dit 25 points, c'est bon. Oui, bah, oui, si, si en effet, vu ces statistiques-là, euh, c'est à moins que Big Ben euh, se révèle euh, une, une nouvelle jeunesse, mais en effet, ça si, à, autour de 25 points, on a du mal à imaginer les Steelers euh, euh, se rivaliser. Alors, est-ce qu'ils peuvent les mettre, les 25 points, les Chiefs, contre les Steelers oui, alors pouvoir les mettre, ils peuvent. Hein. Quand on a Patrick Mahomes, on peut mettre 25 points euh, par carton. Hein. Mm. Euh, et puis d'ailleurs, ils ont, ils ont joué, euh, je ne me rappelle plus le score exact euh, de leur match, euh, mais ils ont déjà joué. Et ça... 36-10. Voilà, donc les 25 points, euh, je pense qu'à la mi-temps, ils étaient presque passés. Mm. Maintenant, c'est un match de play-off. Euh, c'est quelque chose qui est souvent, euh, qui n'est pas forcément régi par la logique. Euh, pour moi, les clés sont les lignes offensives des deux côtés. Euh, on a vu une ligne offensive de, de Kansas City euh, avoir des hauts et des bas. Quand elle arrive à protéger Mahomes, c'est très bon. Quand elle le fait moins, c'est plus compliqué. Et de l'autre côté, la ligne offensive de Pittsburgh, non pas pour protéger Big Ben, parce qu'il arrive à lancer très rapidement et maintenant, il a atteint un plafond qui on a du mal à l'imaginer dépasser, mais c'est surtout pour le jeu au sol, quand sa city mmh. a pris beaucoup de, de, de rush au sol, de yard au sol pardon, face à Denver. Et si la ligne offensive de Pittsburgh arrive à, à mettre Harris dans les, bons, dans les bonnes situations, ça peut le faire. Donc voilà, pour moi, la clé, c'est les deux lignes offensives. Oui, d'autant que bon, il y a quand même un TJ Watt à tenir à un moment pour la ligne, défense, la ligne offensive de, de Pittsburgh. C'est une défense un peu particulière, hein, les Steelers, parce que statistiquement, ils sont pas monstrueux. Ils ne verroulent pas leurs adversaires. Ils sont 24e sur les yards, 20e sur les points. Mais TJ Watt mène un pass rush qui a à 55 sacs, qui est le meilleur pass rush de NFL. Donc va y avoir de la pression. Donc on a vu ce qui s'est passé quand il y a eu énormément de pression sur Patrick Mahomes au dernier Super Bowl. Ils ont perdu. Donc. Voilà, clairement c'est la clé. Il euh, y a eu des blessures en plus sur cette ligne des, des Chiefs. Et puis après, c'est ce que tu disais, de l'autre côté, la ligne défensive des, des Chiefs, elle a quand même pris un sacré bouillon contre la course ces derniers temps. Et les défensifs back derrière sont quand même pas exceptionnels pour plaquer, euh, ni même tout le temps pour couvrir. Donc il va y avoir besoin de, de cette pression dans l'autre sens. Donc ça rend le match intéressant. Après, c'est difficile de dire que les Chiefs n'ont pas beaucoup plus d'armes, quoi. Ah oui, non, mais les, les chiefs sont nettement favoris, euh, ils, jouent, ils jouent à domicile. Euh, C'est voilà, vraiment euh, Patrick Mahomes et impérial euh, en playoff euh, à domicile. Je, je crois qu'il n'a jamais d'ailleurs joué de match à l'extérieur si ce n'est le si ce n'est le Super Bowl. Je peut-être une énorme manerie, mais je crois qu'ils sont très souvent. Euh, C'est pas impossible, euh, vu qu'ils étaient souvent première tête de série. Ouais. Donc, euh, donc oui non clairement euh, ils ont les armes euh, Theric il est sorti ou en tout cas c'est blessé en, en, à l'échauffement euh, donc il devrait certainement être là euh. il s'est entraîné normalement mercredi donc c'est bon donc voilà, ça reste quand même à surveiller. On sait que l'entraînement, ce n'est pas, euh, pas le match. Euh, il est très important pour, dans, dans, cette, dans ces armes-là dont tu parlais. Euh, Travis Kelsey est toujours là. Et puis on a vu euh, des, des joueurs euh, émerger, euh, ou en tout cas euh, prendre un peu plus de, de, de place. Euh, Pringle, euh, michael Hardman. Donc oui, les armes sont là. Il euh, y, a, y, a y a beaucoup de choses à faire pour Patrick Mahomes. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir annuler Space Rush. C'est vraiment voilà, la clé. Et, et, et pour être même encore plus précis, TJ ouais, Bon après sur le match qui gagne justement les Chiefs 36-10, Mahomes prend deux sacs, il perd que 4 yards, mais derrière il n'est pas intercepté, il se débrouille très bien au sol aussi. Ils avaient fait un de leur meilleur match au sol avec 127 yards cumulés. Donc voilà, il faut euh, eux avaient saqué Ben Roethlisberger deux fois. Je, je pense que c'est à surveiller. Bon tu le disais pour la ligne offensive de Pittsburgh, c'est le jeu au sol et, et contre les Chiefs ils avaient plutôt pas mal réussi parce que euh, Najee Harris avait signé un match à 93 yards. Et eux terminent à 130 yards au total avec, euh, avec 5,2 yards par course. Donc euh, ils avaient trouvé des ouvertures. Mais clairement, il va falloir manger le chrono euh, euh, plus que de raison même pour garder le ballon et essayer de... Tu parlais de... c'est-à-dire le match pour les 49ers. Là, il va vraiment falloir y aller comme ça. Quoi. Oui, c'est sûr, c'est sûr, ils ne peuvent pas se permettre de n'être bons que d'un côté du terrain, ou en tout cas de, de faire le travail que d'un côté du terrain. Tu l'as dit, ils ont été bons, euh, ils ont été bons euh, au sol euh, dans le premier match, mais ils n'avaient pas réussi à vraiment mettre la pression sur Mahomes. Euh, L'un ou l'autre ne fonctionnera pas. Et s'ils arrivent juste à mettre la pression sur Mahomes… Euh, les Chiefs sont capables de marquer quand même à 7 points. Euh, si de l'autre côté. Voilà, donc il va falloir faire le. Si ce n'est le match parfait, être bon des, des deux côtés du terrain. Euh, après, ils sont bien coachés. Euh, mmh. Ils ont, ils ont, on l'a vu, un Big Ben qui euh, est certes très moyen, mais qui est capable d'être bon quand il faut. Donc euh, pourquoi pas. Euh, pronostic. Bien, là, alors là, encore une fois, hein, mais là, je vais mettre je vais mettre les Steelers. Alors, il faut, il faut une surprise aussi hein, dans, dans ces playoffs-là. Ça serait une énorme surprise. Euh, mais je vais mettre euh, Pittsburgh ouais. et bien tu es le seul les Chiefs pour tout doute le monde pas. <laughs> dans la rédaction euh, je rappelle les scores des pronostics maintenant qu'on a les a, qu a donnés tous euh, tiens je vais pas donner les scores de la semaine dernière qu'est-ce que ça a donné 10 points pour Victor Raoul et moi euh, 8 pour, euh, 9 pour Raphaël 8 pour Lucas et 6 pour Grégory c'est pour ça que tu as recollé il a fait une très mauvaise semaine euh, oui Grégory donc il a en même temps il avait pris les Falcons contre les Saints il avait pris les Giants et il avait été courageux sur certains, on va dire. Euh, donc ça fait 182 points pour Raphaël, 181 pour Raoul et moi, on est aux portes de, de la première place, 178 pour Victor, 171 pour Grégory qui est décroché et Lucas, 169. En effet, tu commences à, à t'éloigner de la première place. Euh, et je rappelle, deux points par match. Pendant les playoffs, tout ce qu'on vient de dire là, ça vaut deux points par match. Comme en plus, il y a deux matchs de plus maintenant. Euh, le suspense est relancé. Euh, tu as, Alors, attends, on va simuler par rapport à la première place. Tu as un, deux pronostics, trois pronostics différents avec Rafael. Tu pourrais très bien lui reprendre six points. Tu vois, si tu joues vraiment au panache. Euh, 182, 179, six points, ouais, tu, tu comblerais bien. Le problème de tenter des coups, c'est qu'en fait, on entend beaucoup et il y en a un qui passe. On est ravi, mais en fait, on perd, on perd sur les autres coups qu'on tentés. Ça tenté, s'équilibre mais... toujours plus ou moins. C'est ça le problème. Ouais. Euh, voilà donc pour le premier tour. Évidemment, on va parler de tout le reste des playoffs. Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur taganactu.com. Les playoffs au complet, petite braquette des playoffs, euh, on, on va dire tableau parce qu'on est français. Euh, et on va aller au bout de ça. Vous voulez retrouver tous les tableaux de la rédaction sur le site. Euh, ce sera publié, je, je ne sais plus quand, vendredi. Allez, on va dire vendredi. Voilà. J'ai mis une deadline à la rédaction à jeudi, donc je vais le publier vendredi. Euh, Lucas, tableau des playoffs. Donc, euh, on va prendre la base, à moins que tu veuilles faire un tableau des playoffs avec des, des pronostics où il n'y a pas tes paris. Non, 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 j'ai fait, fait mon bracket en mon tableau, pardon, en, en faisant les, les, les pronostics que j'ai. Allez, fait. On, on garde ton tableau des playoffs. Alors, je te laisse me dire ce que tu. Alors, au premier tour, on va prendre conférence AFC. Donc, tu avais donné les Raiders et les Bills et les Steelers oui ce qui donnerait donc euh, des Steelers qui devraient aller à, à Tennessee et, et des Bills donc qui reçoivent euh, les Raiders non euh, des, oui qui reçoivent les Raiders normalement pour les finales enfin les, 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 le divisional round donc euh, et là j'ai pronostiqué Tennessee qui gagne à domicile parce que euh, on le disait euh, Pittsburgh est capable de faire un un exploit, mais j'ai du mal à les imaginer en faire deux voire trois d'affiliés. Donc mmh. je verrai Tennessee en, en finale de conf, tout comme Buffalo euh, qui euh, qui devrait, pour moi, euh, encore à domicile avec l'expérience notamment face aux Raiders, arriver avec une finale de conférence. Titans Bills, c'est ce que j'ai pronostiqué. Ok, Titans Bills en finale de conf et qui va au Super Bowl Les Bills, les Bills cette fois-ci, euh, ça serait donc ça serait à Tennessee dans ce scénario-là, euh, mais euh, je vois les, les Bills passer parce que. Parce que l'expérience, tout simplement, même si mmh. ces deux équipes-là ont fait des finales de conférence euh, l'année dernière et l'année d'avant. Mmh. C'est vrai. Les... Bah, C'est les deux derniers finalistes, en fait. C'est ceux qui se font sortir à chaque fois. Exactement. Les Bills en NFC, ça te donne quoi En NFC, j'ai alors donc du coup j'ai mis San Francisco qui s'impose et donc qui devrait aller à Green Bay. Euh, ouais. et ensuite j'ai mis Tampa Bay qui devrait reçoit, recevoir les Rams pardon. Euh, Green Bay San Francisco encore une fois je vois Green Bay passer je, je, vais, voilà, je vais arrêter enfin je vais spoiler tout ça mais pour moi Green Bay va aller au Super Bowl dans, dans mon scénario donc j'imagine Green Bay battre San Francisco à domicile euh, deux semaines de repos d'affilée enfin euh, quasiment trois avec le, le match de la semaine 18 euh, Aaron Rodgers en feu donc voilà j'imagine battre San Francisco et de l'autre côté Tampa Bay Rams alors j'ai beaucoup hésité sur ce match-là euh, je pense que ça peut un très beau match. Les Rams avaient battu Tampa Bay, mais on va dire que plus par euh, sécurité, euh, et c'est bizarre de dire ça quand, quand je pronostique Pittsburgh notamment, mais euh, j'imagine Tampa Bay euh, gagner parce qu'à domicile euh, et avec l'expérience, euh, je, je les vois plus sereins que Los Angeles. Mmh. Donc, Green Bay-Tampa et Green Bay au Super Bowl. Et Green Bay au Super Bowl, alors c'est le, le rematch de la, de la finale de conférence de l'année dernière, si je ne mmh. me trompe pas, à Green Bay aussi. Tampa Bay… Euh, avait réussi à gagner, on se rappelle de ce match-là, avec des, des defensive backs de, de Green Bay qui avaient été à la rue, Tom Brady, qui avait réussi à faire un match incroyable. Cette fois-ci, je vois l'inverse. Pour moi, c'est l'année où jamais pour Green Bay, ils sont premiers, ils ont, un, ils ont un bilan encore incroyable, ils vont faire tout à domicile à part le Super Bowl, si jamais Aaron Rodgers devrait être, en tout cas sera dans la course au MVP, pour moi, c'est vraiment l'année où jamais. Donc, le Super Bowl, c'est. Tiens, on donnera nos vainqueurs du Super Bowl euh... après. Je vais aller jusqu'à mon Super Bowl aussi, et comme ça, on donne chacun nos vainqueurs. Euh, donc, moi, j'avais Cincinnati, Buffalo et Kansas City qui passaient le premier tour, ce qui veut dire que Cincinnati va jouer à Tennessee, et on a un Buffalo-Kansas City en dessous. Ma surprise des playoffs, elle est là. C'est Cincinnati qui sort Tennessee. Ah! Elle est là. Voilà. Je, je pense que euh, tu vois un, un Derrick Henry qui revient en cours de route. Je suis jamais trop fan des joueurs qui reviennent pile poil pour les playoffs parce que manque de rythme. Du coup, j'ai peur que ça force un peu. J'ai peur que voilà. Euh, et puis surtout, si ça accélère, j'ai peur que les Ischios de, de Julio Jones ne suivent pas. Tu vois, il va voir Jamar Chase, il va essayer de faire pareil, mais il va se mettre à courir et puis ça ne va plus suivre. Donc je dirais Cincinnati en finale de conf de ce côté-là. Euh, Buffalo-Kansas City, c'est le remake de la finale de conf de l'an dernier et je vais redonner Kansas City. Euh, sans argument très logique parce que Buffalo a la meilleure défense, parce qu'ils ont de quoi profiter de la, de la, de la faiblesse défensive des Chiefs. Et pourtant, je vais dire Kansas City. Je ne sais pas pourquoi. Euh, ce qui fait une finale de conférence euh, Cincinnati-Kansas City. Là, je vais jouer plus logique avec Kansas City à l'expérience qui sort euh, encore, du coup, euh, un, un nouveau prétendant, parce que tous les ans, ils éliminent une équipe un peu les, surprise en finale. Les casseurs de, de hype. C'est ça. Euh, donc, Kansas City au Super Bowl. Euh, du côté NFC, euh, les Rams, les Cowboys, les Buccaneers euh, passaient le premier tour pour moi. Donc, ce qui veut dire, je ne dis pas de bêtises, oui, c'est les Rams, sont tête de série numéro 4, mais c'est la plus basse. Donc, ils vont jouer les Packers. Et en dessous, euh, Dallas-Tampa Bay à Tampa. Euh, je vais donner à Tampa à l'expérience pour, euh, pour le premier match et Green Bay aussi pour moi, euh, plus, euh, plus régulier que les Rams. Cette année, donc je vais aller sur un Green Bay Tampa en finale de conf, même chose que toi, et même vainqueur, Green Bay. Je pense aussi qu'il y a un truc à jouer pour Aaron Rodgers sur les defensive back de, de Tampa, et puis qu'ils sont quand même moins vernis sur les blessures, les, les Buccaneers. Il y, a moins de, de, il y a plus de problèmes aussi en attaque avec les cibles, il y a eu des blessures, il y a eu Antonio Brown, etc. Donc Green Bay, Green Bay Kansas City pour moi. Donc on a un Green Bay Buffalo et un Green Bay Kansas City, il y a une constante. Ton oui. vainqueur, c'est Green Bay, du coup, la constante. Eh ben, constante aussi parce que j'ai Greenberg en, en vainqueur. Voilà pour euh, notre tableau des playoffs. Vous pouvez les retrouver sur le site. On va tous les mettre euh, sur le site, ceux de la rédaction. Et puis, ce sera le thème du fauteuil de dimanche, euh, puisque euh, je vais vous proposer un tableau des playoffs un petit peu and roll. C'est-à-dire qu'on va faire les scénarios les plus fous des playoffs. Je vous invite à nous suivre sur twitch.tv slash tdactu. Euh, on va faire les scénarios. les le... Alors, pas les scénarios. J'ai fait un bracket avec vraiment... Voilà, un truc assez fou en essayant d'imaginer ce qui pourrait entraîner d'autres trucs, etc. Un Pittsburgh-Philadelphia euh... en finale, ça va être sympa pour moi. Ouais, alors je suis pas allé jusque-là. J'ai essayé de, de chercher des trucs qui pourraient éventuellement être censés, même si ce seraient des grosses surprises, mais de chercher des arguments pour. Et voilà, j'ai essayé de faire un truc un petit peu, peu rock'n'roll. Euh, si euh, si l'ordinateur le veut, hein, bien évidemment, puisqu'on ne va pas vous cacher qu'avec la technique, vous l'avez vu dimanche dernier, c'était un peu compliqué. Et là, juste avant cet enregistrement avec Lucas, mon ordinateur s'est tout simplement éteint euh, alors qu'on commençait. Donc c'est un peu particulier. Oui, il va falloir que j'aille euh, chercher un PC, mais voilà, c'est la, la grande tragédie du, de mon début d'année 2022. Ça, hein, je ne m'en remettrai pas. Sur ce. Les cotes de la semaine avec notre partenaire Unibet. Lucas, euh, quel cote pour toi euh, cette semaine Est-ce que tu en as déjà repéré bah, Je vais être constant dans ce que, que j'ai dit. Forcément, euh, alors c est, c est, on est, je ne sais pas si on est déjà dans, dans le yolo ou pas, mais, euh, mais forcément il y a Pittsburgh. Alors peut-être on va être on va être un peu plus euh, déjà les, les Raiders, les Raiders à Cincinnati. Euh, je l'ai dit, c'est un peu c'est pas forcément palpable. Euh, mais euh, mais j'imagine bien les Raiders gagnés, ils sont à 2,78 à l'extérieur. Euh, pour moi, c'est un peu plus serré que ce que les codes veulent bien penser, donc pourquoi pas? Mmh. Ah oui, les Raiders, c'est CO, haut, du coup. Ouais, on est quasiment dans le YOLO. Bon, c'est dur de faire des YOLO en playoffs, il hein, n'y a que 6 matchs. Donc, le problème, c'est que là. toutes les cotes sont assez hautes, il y, y a très peu de matchs qui sont d'habitude. Bah, on en a un, un 85 et un 90. Là, c'est... J'allais dire que si vous croyez vraiment... Bon, déjà, moi, je mettrais les Rams à un 44. Parce que... Euh, non, pardon. Alors, si, si vraiment la, la moitié de la rédaction croit vraiment sincèrement à San Francisco et que Dallas se plante, on peut carrément directement mettre les Forty Ils sont à 2,25. Oui, oui, c'était... La deuxième option. Et, bah, et du coup, je compléterai le trio avec les, les Bills à hein, 1,45. Ils ont la meilleure cote chez les favoris euh, hors euh, Cowboys. Et ça, et, et ça fait un petit, euh, un petit combiné plutôt sympa. Hein, Raiders 2,78, Fortiners de 2,25 et Bills 1,45. 5 euros misés, 45,35 euros de gains potentiel Donc, ça fait quand même un, un, petit, euh, un petit combiné sympa pour 10 euros. Ça fait 90,70. Bon, après, encore une fois, hein, le Raiders le rend quand même un peu osé. Oui, oui, oui. Ouais. Je trouve. Euh, YOLO Ah, bah là, il y a de quoi faire. <laughs> là, y a de quoi faire hein. Alors, vas-y, tu sais quoi Le YOLO, on va pas s'embêter on va jouer tous les outsiders. Bah Déjà, le YOLO, à partir du moment où on met Spitzberg à 5, 0,5, euh, c'est YOLO déjà. Rien que ça, c'est YOLO je me demande si c'est pas le plus gros yolo en fait de la saison là si je mets les 6. Hein. les six outsiders Raiders de 78 Niners de 25 Patriots de 50 Eagles 358 Steelers 505 et Cardinals de 46 5 euros misés 3650 euros 95 de gain potentiel donc là vous, vous miseriez. encore une fois je vous conseille plutôt de mettre un euro hein, si vous voulez mmh. jouer celui-là donc un euro ce serait déjà 730 euros de gain hein, mine de rien euh, mais mais a priori c'est quand même un euro que vous risquez d'avoir mis à la poubelle parce que là c'est vraiment le un, un yolo de l'extrême parce que bon Pittsburgh déjà c'est ultra chaud euh, le Eagle c'est ultra chaud et, euh, et oui non là je pense qu'on est vraiment sur du, sur du traité haut la cote totale est à 695 447 sur les, sur les trucs et du coup ça veut dire qu'on parierait sur six victoires à l'extérieur au premier tour des playoffs après alors oui bon là clairement on est sur, on est sur de l'imagination totale mais euh, tous, les, tous les favoris sont à domicile euh, et on rigole, mais il y, a, il y a toujours une surprise ou deux quand même dans ces playoffs-là. On l'a vu déjà dans la vrai. saison, il y a toujours une surprise ou deux. Reste à trouver la bonne maintenant. Oui, une ou deux, ça ne me dérange pas. Six. C'est plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Euh, voilà, en tout cas, pour les cotes de notre partenaire Unibet. Et c'est comme ça que se termine l'épisode 475 du podcast Jean-Action. On vous remercie de nous écouter. On remercie ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Euh, petite annonce aussi. Euh, il y a un de nos partenaires qui est de retour. C'est le Hard Rock Café. Les playoffs sont là. Et si vous avez envie de regarder ces matchs avec d'autres fans NFL, c'est au Hard Rock Café Paris que ça se passe. Euh, chaque dimanche, il y aura un rendez-vous au salon VIP. La carte à Hour pour toute la soirée. Euh, et donc, les grands matchs au programme ce dimanche c'est 19h avec le Buccaneers-Eagles alors évidemment euh, restrictions horaires dues au Covid etc donc ce sera un match par dimanche donc le match de 19h ce dimanche le match de 21h pour le Divisional euh, le dimanche du, du Divisional le match le premier match des finales de conférence et puis le Super Bowl évidemment par contre là ce sera euh, à l'horaire du match il y aura une grande soirée Super Bowl tous les détails Arriveront au fur et à mesure. Mais voilà, je voulais mettre un petit mot là parce que ça fait plaisir de retrouver le Hard Rock Café, qui est un de nos partenaires historiques et évidemment qui a vécu, euh, qui, a, qui a quand même eu une, une actualité un peu agitée par les deux dernières années. Mais on est content qu'il nous fasse confiance et, et qu'il revienne vers nous euh, dès maintenant pour cette fin de saison. Euh, pour nous suivre, Twitter à TD Actu, Facebook à TD Actu, Instagram à Togent Actu en entier, à Elvola pour Lucas, à pour moi-même sur les réseaux sociaux. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur TD Actu.com. Tiens, je me Permet un petit peu euh, une, une dernière petite auto-promo euh, avant de partir. Quand même, il y a un nouveau podcast de la famille TDA Média qui est en ligne et vous le retrouvez sur le site sur tdactu.com. Il s'appelle Occupation. C'est un podcast de reportage. Ça n'a pas de rapport avec le sport, mais c'est un podcast de reportage euh, tourné, monté par moi-même où euh, vous découvrirez des gens qui font leur métier ou qui font leur hobby, qui pratiquent leur hobby. Le premier épisode est en ligne. Je vous invite à aller le découvrir. Euh, ça parle barbe, ça parle barbier. Voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à faire tourner. Euh, euh, bah voilà, faire tourner le plus possible si ça vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir et à donner vos idées sur les métiers que vous aimeriez bien entendre dans l'émission. Merci beaucoup Lucas. Avec plaisir toujours. On se retrouve mardi pour le débrief Exactement. Est-ce que tu es dans la team du mardi débrief Oui, je suis dans la team de mardi débrief. Je, je n'ai plus tous les plannings en tête. Bon, en tout cas, on se retrouve. Euh, donc, nous, Lucas, mardi, on se retrouve avant ça, évidemment, twitch.tv/slash tdactu pour le fauteuil de dimanche. Je vous l'ai dit, on parlera scénario fou des playoffs. Merci à tous de nous suivre. À très bientôt. Ciao, ciao et bon playoff. de mots, tout sur le foutu est en TD actu. le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TD Actu 20 pour JJ1, 8 pour Marshall Lynch, classe global Beckham, Tom Brady, quarterback même. calé sur le fauteuil option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin